السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا عباد الله On se doit une fois de plus et comme à chaque fois de remercier Allah Azawajel et de le louer, nashkuru wa lana, qu'on doit le remercier et le louer sans cesse pour ce qu'il nous accorde comme taufir, comme bienfaisance et ce qui s'ensuit. Même si très peu s'en rendent compte et très peu le réalisent, et que la plupart des gens soient dans. On ne va pas dire l'autre monde, car ce ne serait pas une bonne expression, mais qu'ils soient ailleurs. Là, je pense qu'à l'heure qu'il est, dans ce pays, on ne trouvera qu'une poignée minime de personnes qui sont là en train de se rappeler d'Allah Azzawajal, alors que des millions. Et des millions, peut-être même des milliards, de gens là sont concentrés sur Paris. D'accord Des milliards de personnes sont concentrées sur Paris. Car vous savez ce qui se passe actuellement là à Paris et à compter d'aujourd'hui. Non. Les koufars sont des koufars. voyez Les koufars, ce sont des koufars. Donc leur cas, il est clair. Leur cas, il est wadé. Maintenant qu'en est-il des musulmines Qu'en est-il des muslimines qui se réjouissent de tels événements, qui participent à de tels événements, qui accueillent de tels événements et qui s'y intéressent Et là vous savez qu'on parle des Jeux Olympiques. D'accord Et une fois de plus, les gens ignorent l'origine des choses et ne cherchent pas à se renseigner quel est le sens, qu'est-ce que cela renferme et d'où cela provient. Donc si jamais tu demandes aux gens c'est quoi les Jeux Olympiques, ils vont te dire bah, c'est une compétition sportive entre différents pays dans différentes disciplines. Jusque-là, tout pourrait aller bien. Mais bon, même ça ce serait déjà pas beaucoup pour nous. On lui dit tu sais d'où ça vient les Jeux Olympiques L'origine des Jeux Olympiques Et en réalité, à part ceux qui ont un peu de culture, ils ne sauront pas te répondre. Tu lui dis le mot olympique, il vient du mot olympe. Tu lui dis c'est quoi l'Olympe? Certains connaîtront, mais la plupart ne connaîtront pas. Tu lui dis l'Olympe c'est une montagne qui se trouve en Grèce. Une montagne. Mais ce si tout va bien, rien à dire. Mais quelle était cette montagne? Quelle était sa particularité? Dans l'antiquité grecque, chez les Grecs, et cela avant, selon le calendrier chrétien. Près de moins d'un millénaire avant la venue de, de Isa, selon leur calendrier. D'accord Les Grecs étaient encore, bien sûr, dans le shirk pour pour D'accord Et même un shirk qui touchait non pas seulement le oboudiya, mais également le reboubiya. Et à ce moment-ci, fat kazalique. Donc, eux, ils avaient plusieurs divinités qu'ils adoraient, avec qui avec chacun décrété une, une tâche particulière. Et l'Olympe, c'était justement le mont des dieux. C'est la montagne sur laquelle habitaient les dieux, selon eux. D'accord Cette montagne-là, donc, elle avait un. C'était un symbole pour eux. Et malgré qu'ils avaient différentes divinités, tu verras que les mushikônes, de façon générale, même les, 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 les hindous, les, même les bouddhistes, tout ça, il y a toujours un qui domine. Ça vient toujours en un en particulier. D'accord Et eux, chez les Grecs, le principal, c'était Zeus. D'accord C'était le Dieu des dieux. Le suprême. Donc, ces Jeux Olympiques, pour ceux qui ne savent pas, à la base, étaient comme forme de rituel, de compétition pour plaire aux dieux. D'accord C'était les Grecs qui faisaient ça. Ils luttaient, ils faisaient de la course, différentes disciplines. Euh, et cela, pour remercier leur divinité. Donc, c'était quoi Une ibada, une adoration. Et Chirkiya purement. Mahd. Et ce qui est surprenant, c'est que par la suite, lorsque l'Empire romain s'est développé, eh ben, les Romains ont fait cesser ces Jeux Olympiques. D'accord Les Romains ont mis un terme à ces Jeux Olympiques. Pourquoi Car ces Romains étaient des Nassar. Des chrétiens comme on dirait aujourd'hui. Et, évidemment, les précédents parmi eux étaient meilleurs que ceux de maintenant. Ils avaient une réelle une jalousie pour leur religion. Ils avaient encore euh, une part de vérité qui restait dans le fait d'unifier Allah. D'accord Donc, pour eux, ils avaient bien vu que ces jeux-là, c'était un truc purement païen, purement polythéiste. C'était inacceptable pour eux de voir des gens bah, qui adorent différentes divinités, et des idoles. Donc, ils ont fait cesser ça. Et justement, ce sont ce genre de romains pour lesquels les Sahaba étaient contents de se réjouir de leur victoire contre les mouchilekines à l'époque, car ces romains-là étaient plus proches de la vérité. Excusez-moi de le dire, que beaucoup de musulmans aujourd'hui de l'Islam. Ils avaient une alors pour leur religion et pour leur seigneur, plus que de, bien des musulmans en ont aujourd'hui. La preuve, ce qui se passe actuellement. Les romains l'ont fait euh, abolir, et nous, du moins, ça y est revenu après par la suite. Et maintenant, tu vois les musulmans qui y participent. Ils y participent. C'est pas seulement ils regardent ou non, ils, y, ils sont dedans. Les pays d'islam, ils participent. Tu vois, ils participent à ces jeux qui, de base, sont des rites polythéistes. On Les Azubillah. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps et qu'on le répète sans cesse que celui qui n'apprend pas le Tawhid, il va s'éparpiller, il va se perdre. Il aura beau dire alhamdoulillah après avoir mangé. Il a beau ne pas manger de porc. Il a beau dire, stahfullah comme ils disent, il a beau dire Mashallah dès qu'il marque un bus il va se perdre. D'accord Parce qu'il n'a pas le cœur de la religion, c'est le toh. Le ce genre de choses, bisnela, il décèle. Donc ces actes-là, ça revient à cautionner la chose qui contredit le plus l'islam. C'est le shirk. Il a dit à propos des serviteurs de Rahman, dans surat euh, al-Furqan à la fin, il donne différentes caractéristiques de ses serviteurs. Il a dit c'est ceux qui ne participent pas au faux. D'accord, le zour, c'est le mensonge, tout ce qui est faux, tout ce qui est, unique, tout ce qui est mauvais, on appelle ça zour. C'est-à-dire normalement tout ce qui est zour, le musulman n'y participe pas, il ne cautionne pas. Ils n'approuvent pas, et comme ils disent aujourd'hui à notre époque, il ne valide pas. D'accord Ou c'est Maroul, si, oui, Maro qui passe devant des futilités, il ne fait pas attention. Il ne s'y intéresse pas. Et évidemment, ces Jeux olympiques rentrent dedans ta Ça, ça nous rappelle un petit peu la Masala qu'il y avait à l'époque, qui fait un euh, road à... Le dénommé Compantondine, qui avait fait sa fatwa sur le fait de pouvoir porter du Nike, ce peut-être que c'était une. Dans le cas où ça aurait été vraiment un Nike, ça aurait été vraiment Athéna, qui d'ailleurs bah, faisait partie des déesses qui était adorée à l'époque sur le Mont Olympe, justement. D'accord Je crois même que la, ça devait être la femme de Zeus, ou voilà, elle était proche de lui, en tout cas. Voilà, ce ville là Que dans le cas où vraiment Nike, ou Nike, ça aurait été vraiment ça, d'accord Sur la base, ça aurait été ça. Parce qu'il y a toujours encore un, même... une nombre de, de, de doutes dessus, mais bon, comme c'est une divinité qui n'est plus adorée, alors il bah n'y ça, ça, a plus lieu de, de, de combattre cette règle qui ne euh, tient pas debout, qui contredit le souffle du dîne, parce que comme on l'expliquait la dernière fois, bah ça veut dire que si ce qu'il dit c'est vrai, bon aujourd'hui je peux prendre un t-shirt une marque, elle l'appelle le c'était une divinité qu'on euh, qu réjouissait ou lat, d'accord, donc je peux venir normal vu qu'aujourd'hui c'est plus adoré. Donc ça, cette règle-là, je ne sais pas d'où elle vient, et même s'il y a un savant qui l'a dit, cette règle-là qu'on contredit les houssoules, donc elle n'a même pas lieu d'être prononcée. là, ça va être pareil. Les gens vont dire, oui, mais c'est bon, on l'adore plus, nous, là, on fait juste du sport. D'accord Qui n'ont pas estimé Allah sa juste valeur. Vous vous rendez compte que là, c'est une chose qui d'origine vient, une chose qui a été combattue même par les chrétiens. Aujourd'hui, ça a été remis à jour, et c'est juste un sport. Vous pensez que c'est juste un sport, il y a autant d'argent qui est généré C'est un phénomène mondial. Ils en viennent à couper les routes, à expulser des gens de leur maison, à faire je ne sais combien de, de, de mettre en place juste pour un sport comme ça, un simple sport. C'est qu'il y a des choses derrière. Donc on dit normalement, nous, il nous convient, ou plutôt il ne nous convient pas de porter attention à cela, de nous y intéresser, et alors encore pire, d'y assister, de, 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 de s'en réjouir. A la base il a dit du Nabi sallallahu alayhi wa sallam man ra'a minkum min qarah fa lugayir fa yughayiruh bi yadihi fa limasta'ir fa bi lisani wa qui voit un mal qui le change par sa main s'il ne peut pas alors par sa langue s'il ne peut pas alors dans son cœur et cela est le niveau le plus bas de la foi. Et là c'est même pas blâmé c'est applaudi c'est acclamé c'est accueilli. Montana peut-être ne savent pas c'est que l'origine Peut-être qu'ils seraient excusés par leur ignorance. Mais à la base, le musulman, dans tout ce qui s'investit, il regarde c'est quoi à la base, cette chose-là. Voilà, même demain, tu as un vêtement, il y a écrit un, une chose dessus, d'une langue que tu connais pas, il y a écrit quoi là-dessus Tu dis, qu'est-ce qui est -ce qu y a écrit là-dessus C'est quoi le sens Tu vois un truc écrit en chinois, tu dis, c'est quoi Ça veut dire quoi Tu trouves c'est un truc shirky, tu sais même pas. Tu vas porter un nom de, de, de idol ou une phrase. Tu vois Le musulman, il est attentif à ce qu'il y a autour de lui. Parce qu'il sait qu'à la base, est écrit pour adorer Allah et que le shirk, on le répète sans cesse, c'est le péché le plus commis au monde au quotidien. C'est le shirk, c'est le péché le plus commis et le plus banalisé qu'il y a au monde au quotidien. Tu vas trouver des le loyaux, tu vas trouver des koufars honnêtes, tu vas trouver des koufars euh, fidèles, et ainsi de suite, avec plein de qualités, plein de vertus. Mais il n'y en a pas un qui ne fait pas du shirk. Le shirk va te le faire. Car quand tu n'es pas un musulman, tu ne connais pas le tawhid, tu tombes dans le shirk inévitablement. À part les prophètes qui ont été préservés d'avant leur. de recevoir leur message. Eux, ils étaient préservés de comme du shirk. D'accord Et euh, les kabaïrs. Par rapport à ça. Donc là, à notre époque, après que le, le Nabi Yusuf ait été envoyé, tu verras que les gens, le shirk, ça va être monnaie courante. Et le tawhid, qui est la plus grande des sciences, la chose la plus valeureuse qu'il y a, la chose que Allah Azawajal préfère et la chose que Allah Azawajal nous a ordonné d'accomplir, c'est la chose la plus négligée, la plus méconnue et la plus délaissée qui soit. Et là, je parle pour les musulmans, hein, je ne parle même pas des, pour les koufars, je parle pour nous. D'accord Je parle pour nous. Donc, ces gens-là, quand tu veux leur dire, c'est hein, ils vont dire c'est que un jeu, c'est que un sport, c'est que ceci, cela. On dit c'est que, c'est que, c'est que. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, qui n'ont pas estimé Allah ça est juste valeur. Les gens, tu leur prends pour la dounia, il y a des choses qu'ils ne vont pas admettre. Dans la dounia, il y a des choses que les gens ne vont pas admettre. Tu vois Concernant leur famille, concernant leur argent, concernant leurs proches, leur travail, et maintes choses. Si tu touches à ça, ils ne vont pas accepter. Tu leur portes affrontement à ça, ils ne vont pas accepter. Ils vont s'énerver, peut-être même dans la te tue. Tu vois, en as, tu insultes as sa mère, il peut te tuer pour avoir pour, pour, pour insulté sa mère. Tu, vois tu touches à son argent, il va se défendre. Il va t'agresser, ainsi de suite. T'en as, c'est pour leur quartier, ils se battent. T'en ils se battent, ça ne même pas pourquoi ils se battent. Ainsi de suite. Et là, quand ça touche au droit d'Allah, c'est exclusif, c'est qu'un jeu. C'est rien, c'est pas grave. Euh, tu vas prendre les gens, par exemple. Je donne souvent ces exemples, parce dans ma famille, quand je suis martiniquais, j'ai beaucoup de monde autour de moi, donc je donne l'exemple. Euh, chez ceux qui sont trop euh, accrochés à leur ethnie. Là, je parle des Noirs parce que c'est mon ethnie à moi, tu vois. Les Problacs, entre, entre autres. Qui sont là, qui se révoltent. Bon, ils ont le droit, hein, c'est légitime. De ce qui s'est passé comme traite des Noirs, ce qui s'ensuit. Demain, on leur dit Viens, on... on fait un tour en bateau. On fait une croisière en bateau comme ça et tout. On dit Vas-y. Là, là, il y a un peu empêché à s'un négrier. Viens, on monte dessus et tout. Il va dire quoi C'est quoi un négrier C'est les bateaux qui les armes, les esclaves. On dit Viens, on fait une croisière en négrier. Il va dire Jamais de la vie je monte là-dessus. Je sais Pourquoi le bateau, il y avait. Ça y c'est le bateau, ça y est, maintenant, c'est devenu. De... On ne va pas vendre d'esclaves, on va juste faire une balle avant-mer. Non, viens, on l'a. Non, il ne va pas vouloir, il va crier. Jamais de la vie, je monte là-dessus. C'est une à mes ancêtres, à mon histoire et blabla. Je suis d'accord. Vas-y, assieds-toi. Toi, par exemple, ce que tu en achètes tout à l'heure, là, c'est moi je voulais l'exemple, l'Algérien, tu lui dis Viens, on fait un collège, on l'appelle euh, Paul euh, OCRS. C'est qui Paul OCRS Non, moi, je ne le savais pas avant le de dernier j'ai dit. On l'a <laughs> cherché. Toi. C'est l'un des généraux français qui, sont, qui ont participé au massacre des Algériens. Va faire un collège euh, à son nom en Algérie. Va. C'est juste, juste pour apprendre à les raconter, à écrire, c'est rien derrière, tu vois, si on faire les Algériens. Ou même, euh, comme tu le disais, alors tu me disais, en Afrique, on met des établissements des, euh, Charles de Gaulle. On Charles de Gaulle là-bas. Ils vont pas accepter les gens. Pourquoi Que ça touche à leur, à leur histoire. Mais quelle histoire L'histoire de la créature. Mais quand on vous parle dans la c'est pas grave, c'est qu'un jeu. On aurait fait un jeu ou une chose basée sur le nom d'une personne qui vous a fait du mal, vous n'aurez jamais accepté. Jamais. On aurait fait une chose qui se nomme par quelqu'un qui t'a fait du mal à toi personnellement, à ta famille, tu n'aurais jamais accepté. Mais quand c'est Allah, c'est simple. Ça, ça fait penser au verset où Allah dit à propos des Mushilikun qui faisaient des offrandes, il disait, ⁇ lorsqu'ils avaient une offrande qui était pour leur associer leurs idoles il n'y avait aucune part qui allait pour Allah azabuja. mais ce qui était pour Allah est partagé pour les deux il y avait pour Allah et pour les associés Allah il dit bien quel mauvais jugement qu'ils avaient et ben les gens aujourd'hui ont fait la même chose ont produit la même chose avec ce genre de phénomène quand c'est pour Allah ce n'est pas grave tu vois c'est pas grave c'est juste un jeu c'est juste ceci ah c'est rien tu vois pourquoi parce que les gens aujourd'hui ils jouent les gens ils font que jouer il y a que nabi ou au Salam ou Amali ou les Doniens, il a dit, qu'est-ce que cette J'ai quoi comme rapport avec cette dunya Il a dit, mon exemple, c'est comme l'exemple d'un voyageur sur sa monture. D'accord. Cette dunya, il a dit c'est quoi C'est comme un arbre sur lequel ce voyageur s'installe. Il prend le, de l'ombre parce qu'il y a du soleil. Il se repose un peu. Après, il part. Il la délaisse. Cette dounia c'est tout. Aujourd'hui, cette dounia c'est devenu. C'est devenu l'objectif. En disant, cette dounia c'est un passage. C'est pas un objectif. Pour les gens, c'est un objectif, la dounia, Il n'y a encore pas longtemps, je parlais avec un membre de ma famille. D'accord Kafir. Il y avait un match de foot, il y a pas longtemps. Je ne sais pas c'était qui. Et il m'en parle, il voit que je te, voilà quoi, j'en ai rien à faire. Et après il me dit, euh, et le foot aussi c'est haram. Enfin, il me dit pas haram, c'est interdit aussi le football. Moi j'ai pas voulu l'accabler, tu vois, avec les règles de Haral, halal, haram parce qu'ils vont dire, toi, t'es voilà, a que toi comme musulman, tous les autres autour de toi, ils ne sont pas comme toi. Je t'entends tout le temps celle-là. Je lui dis, écoute, ça ne m'intéresse pas. Allah ça m'intéresse pas. Déjà on short, toujours de cours d'un ballon, je lui dis, excuse-moi, mais dans la vie j'ai autre chose à faire. Il dit, mais la vie, elle est triste avec vous. Tu vois, je dis, j'ai pas été créé pour avoir pour, 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 pour la joie dans la vie. Et dans la vie, j'ai de la joie. Alhamdulillah, j'ai la joie. On a de la joie. On est triste, nous on, on rigole Seulement notre joie, nous, elle est maîtrisée. La vôtre, c'est l'extase. Tout est permis. Vous êtes là pour jouer. Nous, on est là pour adorer la rogelle. On est là pour vivre, pour préparer la mort. Et malgré tout, dans sa rahma, Allah nous a donné des moments de bonheur, des moments de joie. Il dit, comme vous, on est triste. On a des déceptions, on a des peurs, des angoisses, mais elles sont limitées. Car on a l'espoir que vous, vous n'avez pas. Nous, cette dounia, on sait, on est là pour un temps. Vous, vous ne pensez pas à la mort, nous, on pense à la mort. Parce qu'on peut diverger sur plein de choses. Une chose sur laquelle on est tous unanimes, c'est qu'on va mourir un jour. Ouais, mais où c'est pas ce qui après la mort. vivez vous, vous ne savez pas, nous, on sait. Et encore vous, vous, normalement, vous le savez, parce que la personne de ma famille, c'est un swarani de base. Je dis, dans ton livre, c'est écrit ce qui après la mort. Pourquoi tu crois pas Parce que dans ton livre, j'ai dit, moi j'y crois, moi. Vous allez à l'église, machallah c'est bien. Je dis, c'est bien beau et après que tu arrives à la maison, ouais on sait pas ce qu'il après la mort. Bah ben, ton livre, il sert à quoi Pourquoi tu vas à l'église Il te dit quoi le prêtre De quoi il parle le prêtre il parle de football Il vous apprend quoi le prêtre à l'église De quoi il vous parle Sortez de l'église, ça y est, c'est fini, est, vous êtes... Euh, pff, tu peux être un bouddhiste, tu peux être un, un athée, c'est normal pour toi. Voilà, c'est-à-dire vous allez là-bas juste par habitude. Et pourtant, et bien, dans notre Oumma, on a des gens, qui sont pareils. Ils vont Musjid, mais quand tu parles de djid, c'est comme si c'était pas muslim. À part qu'il dit Abdullah quand il a mangé, il mange pas de porc. Tu vois ce genre de choses. Euh, il est parti à la, faire le Hajj. On l'appelle hadji, tu vois, tout ce qui s'ensuit. Mais tout le reste, il est comme tout le monde. Non, euh, Dieu, il nous a tous criés, on chacun adore à sa façon et toujours le Toi, tu n'as pas compris non plus. Tu vois, tu dis musulman, mais tu n'es pas, avec ce discours-là, tu n'es pas musulman. Donc là, ça revient à ça, là, quand les gens, tu leur parles de ce genre de choses. Tu vois, ils te font des yeux, genre, mais qui nous dit lui Je que c'est haram. Tu vois je lui ai quand tu connais l'origine de ce sport, tu ne peux que le refuser et ne pas y participer et ne pas y contribuer et même pas calculer. Alors quand on m'a dit là, les pleuvoir, j'étais tellement content, je dis qu'Allah, qu ils teignent leur flamme avec la pluie, qui gâche leur, leur plaisir. Maintenant, il y a des pays d'Islam qui participent. Celui qui gagne, il a quoi Et Allah va prendre juste ce point-là, celui qui gagne, il a quoi Le meilleur, celui qui, 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 qui dans sa discipline, qui bat tout le monde, il a quoi Et l'or L'homme il porte l'or. Il rien que ça, là, t'es à côté de la plaque. Il va arriver, la femme arrive son bouquet, ton bras frapper des mains, t'es là. Tu vois On va mettre un médaille d'or, il est trop content. Haram Malik. Et les gens disent la fierté de notre pays, la honte de votre pays. Voilà. La honte de votre pays. Vous êtes fier d'un homme qui fait du haram. Par contre, demain, quelqu'un va vous donner un discours comme celui-ci, sur un minbal, la fin de vous allez le descendre direct. Et c'est ça qui arrive aux prophètes auparavant. Parce qu'ils allaient à rencontre de leur peuple. Quand tu veux que ce genre de discours, les gens vont être contre toi. Hein. Il l'a dit, voilà comme il n'y en a aucun qui est venu. Avec ton message a été pris en ennemi. Pourtant là, j'appelle pas les gens à aller tout casser. Hein. Non, l attentat sûrement pas. Rien. Je dis juste aux musulmans, laissez ça, calculez pas, laissez les rentrer jouer, jouer entre eux. Laissez les jouer entre eux. C'est quand tu connais un kafir, tu veux du bien, fais lui un explique lui, qu'ils comprennent pourquoi tu t'aimes pas ça. Tu dis ma religion, elle est basée sur telle chose et ça, ça contrôle les préceptes de ma religion. Voilà pourquoi. Le sport en lui-même, il est permis. Mais comment vous le pratiquez, vous Non. Et pour ses, 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 euh, sur ces préceptes, ce principe, non plus, on ne peut pas. Ah bah demain, je vais je faire de l'oncé de poids, je vais un poids, il n'y a pas de problème. Demain, un frère, avec un frère, ils font un peu de lutte, et ça, ils ont fait de la lutte, il n'y a pas de problème. Dans le halal, dans la bonne entente, tu vois. Mais eux, comme ils sont habillés déjà, et tout ce qu'il y a derrière, la musique, la mixité, l'argent qui est dépensé, le temps qui est perdu, non, ça, non, le musulman, quand il fait du sport, c'est voilà, un loisir comme ça. Il n'en fait pas un objectif dans sa vie, genre, si j'ai pas ça, voilà quoi. même déjà, sachez une chose, les frères de base, il faut qu'on se mette ça en tête. Les sportifs, professionnels, d'accord Ils ont beau faire salat, ils ont beau faire le hajj, ils ont beau faire des sadakas. ce qu'ils font, c'est du fisq. Chal'an, sont des faux sacs, parce qu'ils sont basés sur du haram, ils l'exposent, ils sont contents. D'accord Ils ont beau faire ce qu'ils font, d'accord Chal'an, celui qui a un péché... Et qui le fait ouvertement, qui perdure dessus et qui s'en réjouit, c'est un facile. Que ce soit sport, que ce soit musique, que ce soit cinéma, que ce soit ce que tu veux, t'es connu pour ça, t'es une référence là-dedans, tu ne t'en caches pas et tout, t'es un facile. T'as beau défendre la Palestine, on va dire, jésus qu'à frère, t'es un facile quand même. Là, je nomme pas parce que voilà quoi, on va dire, ton droit pour la Palestine est pour toi, mais ton mal, il est contre nous. Car quand les gens, ils vont voir qui Quand ils vont, on va parler de l'islam, c'est toi qui vont voir un exemple. Quand tu parles de l'islam, tu lèves tes mains quand t'as fait un truc, tu fais alhamdoulilah, tu dis ala wakbar, akbar le courage de le dire, ou autre, si tu veux dire c'est toi qui vas représenter pour eux, ils vont pas voir Mohamed ça, enfin, ils vont le voir toi. De quoi parle de musulmans ils vont dire comme un tel. Hein? Donc qu'est-ce que tu fais là Tu fausses l'image de l'islam. Et les, quand les gens droits vont venir pour parler, pour expliquer aux gens, eh ben, ils vont dire mais c'est un fou lui, il sort d'où Tu vois Pour eux l'islam c'est ce qu'on leur met devant les yeux. Et c'est quoi qu'on leur met devant les yeux Bah ces sportifs là, ces rappeurs là, euh, ces, euh, ces athlètes qu'on va voir ces, ces jours-ci, voilà. Donc ça, on dit aux gens, ne soyez pas dans la rofle. Il ne faut pas que les gens soient dans la rofle. Il a dit que sa cette, cette vie de, de ce bas-monde, c'est que jeu et futilité. Alors que c'est la vie de l'au-delà qui est la meilleure, si jamais il savait. Donc nous, on se concentre sur ça. On a été créé pour cette vie, comme on le dit souvent, on est d'accord sur l'expression verbale, on a culminé, il faut, faut, faut en profiter. On dit je suis d'accord avec toi. On va en profiter pour faire quoi Toi c'est pour aller faire n'importe quoi, moi c'est pour adorer Allah, pour Inch'Allah rentrer au paradis. Donc ça dit ouais j'en profite. D'accord Et justement, quand j'évite ce genre de choses, j'en profite justement. Pour pas que ça, ça va me nuire, ça. T imagines un peu, tu t'exposes à un châtiment, à mettre la colère d'Allah à sa un, pour une futilité comme celle-ci, pour une médaille d'or. Pour un peu dire, parce que l'autre, il a battu son record, il a couru vite, machin, t'as couru vite, et alors C'était apporté quoi Il y en a dans la rue qui courent plus vite que toi quand tu es plus derrière, eux, je pense. Qu'est-ce <laughs> que je veux dire C'est apporté quoi Il y avait Abdoullah euh, Aouka, un sahabi, il courait plus vite que le cheval. Mais il courait pour quoi Pour apporter, il était coursier pendant le djihad. Toi, tu cours pourquoi Pour un chronomètre, pour avoir une médaille d'or. Aïe, bah, l'or c'est Haram sur les hommes, en plus. Elle dit Ah bah les femmes ah bah, Va faire courir une femme, vas-y, regarde comment ils sont billes, va les faire courir les femmes. Même leurs vêtements, c'est des fiscs aux sportifs. Même leurs vêtements, comme ils sont billard, c'est des fiscs C'est Aura Maxoufa, t'as Aura les, les, les apparentes, les, les lutteurs, les, les couleurs, les footballeurs, alors les nageurs n'en parle même pas. D'accord Tous Peut-être les judokas, alors alem, tu vois, leur kimono. C'est ce qui est le plus couvert, c'est voilà c'est cela alors, regarde, Je ne connais pas tous les sports qu'il y a dans... Tout le reste, même vos tenues, elles sont pas correctes. Tout. De A à Z, c'est du zour, c'est du faux. Sans compter l'origine qui est shirkia de ce genre de, de, de genre d'événement. De, Donc on rappelle aux gens, voilà, d'ouvrir les yeux, d'être pas dans la rofla, il y a comme la rofla. Au début, je partais de chez moi et j'ai pris un autre sujet. Juste en partant, je vois ma mère regarder le semaine, je suis là il a là et après, je dis que je vais parler de ça, inshallah aujourd'hui, parce que je n'y ai pas pensé. Donc, on redit bien Je n'écris créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire pour le Tawhid. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mourad bin Jebel, il est allé au Yémen il a dit la première chose à laquelle il les appelle, c'est qu'ils unifient Allah. D'ailleurs, Tembi, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un audio d'un frère qui s'appelle Sami Chawouch, qui a fait une bavure sur le fait de dire qu'on ne peut pas traduire. Euh, je ne sais pas si est revenu entre temps. Moi, je reste sur ce que j'ai entendu. Peut-être qu'entre temps, il, il s'est corrigé, je suis pas au courant. Il a dit on ne traduit pas Wahada par unifié. D'accord Le fait de Wahada, c'est le verbe, et le masdar, c'est Tawhid. Ça vient de Wahada, Yuhid, Tawhid. D'accord Il dit on ne dit pas parce qu'unifié, c'est-à-dire qu'Allah, il est parpillé et c'est comme si on rassemblait Allah Azza wa L'exemple qu'il a donné, franchement, c'est « qalil le » de dire ça. Et le frère, bah, il n'a pas compris. Car c'est à Allah par l'adoration et pas unifié unifier Allah dans son essence. Et en plus, à la base, vers « wahada yu ça veut dire ça, en français, en linguistiquement parlant, « antajal ashay wahidan » que tu mets de la chose, tu la rends une. Donc c'est unifié en français, c'est exactement ça le sens. Sauf que le « tawhid shar'an » c'est « ifrad Allah »« fi rububiyatihi » c'est tu unifies Allah dans la seigneurie, pas dans son essence tu unifies Allah par l'adoration, dans son adoration, pas dans son essence tu unifies Allah dans ses noms attributs pas dans son essence donc cet exemple qu'il a donné, cette compréhension qu'il a elle est fausse il appelle, appelle ça une bavure donc est-ce qu'entre temps le revenu je ne sais pas, en tout cas cette parole là elle est fausse et on peut traduire Wahada wahido par unifié et non pas monotisé qui n'existe pas à la base. Pas la peine d'inventer hein. Ça, c'est ta Ça s'appelle ta Surcharge. Tu t'informes des choses, il n'y a pas besoin. Unifié, c'est un mot, il, il correspond tout à fait. Pour dire Wahada wahido Qu'il soit d'accord, pas d'accord, peu importe. La chose, on l'a dit telle qu'elle est. C'est une parenthèse. À fond. Donc, Allah nous a créé pour qu'on l'adore. Les Sahaba ont été torturés, ont été tués, ont combattu pour le tawhid. Comment aujourd'hui on peut venir s'affilier à eux et dire qu'on est sur leur religion et, 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 et se réjouir et acclamer ce qu'ils ont combattu Vous savez, là, les gens là, qui sont là, là, les Jeux Olympiques, qui, 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 qui tapent des mains, et qui sont contents, c'est quasiment les mêmes qui sont partis voter. Hein. C'est la même sorte de, de muslimine. C'est Ashab Dounia. Ceux qui sont là que pour jouer. Je dis, il n'y a pas besoin du RN pour te faire du mal. Hein. tu vas à Les Jeux olympiques, tu es en train de te, te, te tuer ta religion, tu t'en rends même pas compte. Pas besoin du RN, pas besoin de Bardalla, ni de Marine Le Pen. Hein. Tu te tues tout seul par ton ignorance et ta négligence en religion. Et par ton refus d'accepter le conseil. Pourquoi Pour la dounia. pour ton button, pour ton confort, pour ta joie. Tu vois Et ça, c'est une chose qui contredit le sérieux que le musulman doit avoir. Je vous dis, on a le droit les les de rigoler. On a le droit de plaisanter. On a le droit de faire du sport. Ça y est, je ne suis pas en train de vous dire, ouais, ça y est, c'est. Non, là, on parle sur un sujet en particulier dans quelques minutes. En réalité, vous voyez des fois, quand on a un fil on entre nous, on parle, on rigole, mais des fois dans le d'air, on rigole. Mais cette rigolade, elle doit être gérée par le dîme. Le loisir qu'on fait, il est géré par le dîme. Le sport qu'on fait, il est géré par le dîme. On n'est pas des laïcs, genre, la religion à côté, ma vie à côté, ta religion, toute ta vie, c'est ta religion. Il y a qu'Allah Azza wa Jal. Voilà, tu anto muslimun et de mourir qu'en pleine soumission. Imagine, tu es en train de jouer au football, tu meurs à ce moment-là. Un exemple, on a combien de footballeurs qui sont morts sur le terrain Comme ça, ça vient soudainement. Ou je sais pas, moi, tant que je suis en football, il y a un truc qui vient et tu meurs. En quel état tu meurs Parce qu'on dirait que la mort, on dirait qu'on a un rendez-vous avec elle. Tu n'as pas de rendez-vous avec la mort, elle vient n'importe quand la mort. Voilà, tu as des nets, tu as des La tribune, ne sait pas quand il va mourir. Donc toi, es, normalement, tu dois être en position de te rappeler que tu vas mourir. Donc, tu vraiment mourir dans de bonnes conditions. là, tu es là, là, tu es euh, aux Jeux Olympiques en train de garder la flamme, tu meurs. Qu'est-ce cardiaque Tu étais où Avec qui Au milieu de qui Comment t'es mort ah, Franchement, on craint pour toi à ce moment-là. Et les gens vont dire non, mais t'es était juste venu prendre le passé du bon temps. Et le bon temps, le vrai bon temps, c'est après la mort pour le dénat, pour celui qui le mérite. Quelqu'un qui meurt comme ça, excusez-moi, ce n'est pas le signe d'une bonne fin, ça. Tu pas... es mort au de coups content, parce qu'en plus, les gens qui vont aux Jeux Olympiques, tu crois qu'ils ont un Adawa pour les koufars Non. Ils vont aimer le sportif le plus performant. Même si c'est un kafir. Même si c'est un café, ils vont l'aimer. Ils vont l'impressionner. Ouais, il est trop fort, regarde ce qu'il a fait et tout. Franchement, j'en ai rien à faire. Il peut courir aussi vite qu'il veut, j'en ai rien à faire, ça ne lui sert à rien. Tu vois il peut soulever autant de poids qu'il veut, j'en ai rien à faire. Ça ne lui sert à rien. Lui, il peut nager aussi vite, aller au fond de l'eau, dans la scène, bah tiens, va, 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 va dans la scène. Voilà, Aïb, pour te dire. Pour te dire, t'as vu le Moustawa ils vont dans la Seine où il y a toute une Najasa de, de Paris. Un hein, pour du sport, il va béder là-dedans. Pourquoi Pour du sport. Tu trouves ça normal, toi D'aller dans la Seine ah, là. Eh ben non, il va se jeter là-dedans pour avoir une médaille d'or. Vas-y, va, va, va nager. Va nager, va. Prends mettre ta santé en danger juste pour avoir une médaille d'or. C'est ridicule. Parce que c'est devenu quoi Une aïbada, les sportifs, c'est une aïbada pour ce qu'ils font. Les athlètes de haut niveau, là. Voilà. C'est une aïbada qui font le but de leur vie. Ils vivent pour ça. Toi tu vis pour la salade, tu vis pour ton CM, lui il se lève le matin, son programme, c'est son entraînement, son, son rythme alimentaire, tout c'est son sport, c'est sa vie. Tu dis moi ce moi quand je regarde l'heure, savoir c'est si à quelle heure le Fajr, je me prépare. Tu vois, c'est si à quelle heure le vore, c'est si à quelle heure le Asr, c'est si à quelle heure le Maghreb. Tu vois C'est si la Ramadan ça commence quel jour C'est si à quelle heure le lifter, c'est si à quelle heure le sahur, Tu vois C'est quand la période du Hajj Je parle Omra, c'est c'est ça qu'on qu regarde en premier. Après le reste ça suit derrière. Tu vois en fait, on adapte la dounia à notre dîne, et non pas le dîn à la dounia. C'est ce que la plupart des gens ils font aujourd'hui. Ils rentrent, ils font la dounia, et si le dîn va avec, allez, on fait la, on fait, par exemple, le travail. Je suis salade, si mon patron me laisse la faire, je suis marre, c'est ton patron qui t'a créé. Ouais, mais c'est lui qui me paye. Et ton patron, c'est Razak, il paye, mais c'est des kinkos, ton patron. Demain, ton patron, il peut disparaître, il peut mourir, tu vas faire quoi? Tu vas mourir toi aussi? Si tu demandes de vivre, tu vas faire quoi? Tu vas mourir, mais t'auras un autre travail, c'est tout. Tu vois? Donc, les gens, en fait, c'est leur dounia qui prime. Donc, voilà pourquoi on tombe dans, dans ces déboires et dans ces catastrophes. Car ils, font, ils pensent dounia, ils ne pensent pas d'in en premier. Ils pensent dounia. Les jeunes sont là, Palestine, Palestine. La plupart là, ils sont en, en train de kiffer les Jeux Olympiques. Là. Tu vois, tu vois, les Palestiniens. J'ai même vu une fois un tweet voilà Allah, journaliste, un je ne sais pas d'où elle est, elle dit C'est un crime des. Des gens qui étaient censés des sportifs palestiniens ont été assassinés pour pas participer aux Jeux Olympiques. Je suis hamdoulilah pour eux. Parce que je crois qu'ils vont aider leur pays en allant en courir. Vous avez, non, vous avez rien compris au combat pour la Palestine. Vous avez rien compris. Voilà pourquoi vous criez, vous pleurez, vous tapez des pieds. Il n'y a pas de victoire. C'est l'une des causes. La base du combat, il n'a pas, pas été compris. Il est toujours dit, demain le Yahoo dit donne la Palestine, je ne t'aimerai toujours pas. Tu me donnes les états unis entiers, je ne t'aimerai toujours pas. Tant que tu ne donneras pas Allah. Et ça, c'est pas être, euh, comme ils disent, euh, antisémite. Je suis anti-koufar. On dit tout le temps, je suis pas antisémite, je suis anti-koufar. On peut pas être, euh, expliquer le mot antisémite, ça veut dire quoi On peut pas être anti antisémite en étant musulman. Car dedans, ça rentre les prophètes d'avant, ça rentre même les arabes dedans. Je peux pas être antisémite, c'est pas vrai. Mais j'aime pas les Yahoud, j'aime pas les Nansara, j'aime pas. j'aime tout ce qui est pas musulman, mais j'aime pas. D'ailleurs, pareil, c'est une parenthèse que je vais faire aussi, aussi au, là, au passage. J'ai vu pareil. Euh, J'étais tombé sur une parole d'un d'un Safi, on l'appelle comme ça, c'est un safi qui s'appelle Vincent Souleyman, qui fait un rod justement bah, au même chaouche là, par rapport au fait que euh, on peut avoir des... des, des, des fréquenter des koufards. Tu vois J'ai vu ça où en islam. Et il s'entend comme Khudjadj, qui ont le droit de, de se marier avec des femmes, des gens du livre. On dit, même avec les femmes des gens du livre. Déjà, c'est quelles femmes des gens du livre Ce sont celles comme les Romains, là, qu'on combattu, qui ont aboli le, le, les Jeux Olympiques. Personne, maintenant, là, qu'on croit autour du cou, qui croit en tout. Et pourquoi Parce que l'homme, quand il se met avec elle, il a une emprise, il peut l'amener vers l'islam. Vous voyez Après, il sort quoi comme exemple Le verset où Allah, il dit Par rapport au, au l'oncle d'une amie, qui est mort. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Déjà, ce verset-là, il y a des rois à qui qu'il y a un dire derrière. Dans le taf C'est une équelle a dit même Ahbabta Hidayata que tu ne guides pas ce dont tu aurais aimé la guider, non pas la personne en elle-même. Et quand bien même ce taf dire on l'enlève, Abu Talib c'était qui C'était l'oncle du prophète. Donc c'est les droits de parenté. Parmi les, 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 les formes d'amour qui sont reconnues en islam, c'est l'amour naturel que tu auras pour tes proches C'est normal. Parce que c'était son oncle, c'est tout. S'il était quelqu'un d'autre, il ne pas pareil. Donc ta mère, c'est une caféra, tu aurais un amour pour elle, c'est ta mère, elle t'a élevée, elle t'a portée. Ton père qui t'a éduqué, pareil. Tes oncles qui ont été auprès de toi, pareil. Mais tu n'auras pas l'amour que tu n'auras pas un muslim. Mais ça, c'est khos au rahim, au proche. On va pas faire une règle générale que maintenant, je peux avoir mon copain du football, mon, co mon collègue du travail, on va aller jouer en... Mais il... Si je l'appelle, c'est pour parler de religion. Il ne veut pas la religion. Va faire ta vie, je n'ai pas besoin de toi. Tu vois Pas besoin de toi. On ne peut pas être ami. Tu n'aimes pas, tu n'admets pas. Tu m'écrois en la raison pour laquelle j'existe. Comment on veut être copain, toi et moi T'as des gens pour moi que ça, ils ne sont pas copains. Pour un quartier, ils ne sont pas copains. Quand tu viens de te le citer, moi, c'est vraiment ouais, on ne peut pas être pote, toi et moi. Il y en a pour un club de foot. T'en as pour une, un parti politique. Tu vois Ils ont plus d'attache de, 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 on à leur idéologie que ce Vincent Soulemane pour l'islam. En plus, le Nabi l'a dit La tout sahib il mu'mina. ta'amik oh il taqi. Ne fréquente que un croyant et ne mange de la nourriture qu'un homme qui est pieux. Tu veux dire quoi après ça Là, tout sahib, est moumina. Le Nabi Sami, il n'a jamais eu d'amis koufar. Jamais. Et si jamais il en relation avec lui, c'est pour un intérêt. Un truc d'unia. D'accord Ou n'ose pas que tu peux lui faire. Et en plus, il dit Oui, il y a des koufars qui respectent. Non, il respecte pourquoi Parce que tu ne lui as pas montré le visage. Ça veut dire que tu es un kafir, tu vas en faire, tu vas voir comment il va te respecter par la suite. C'est facile de dire Oui, il respecte. Tu ne lui as pas dit la vérité, tu ne lui as pas dit qui il était. Tu es là pour dire non musulman, dit que tu es un kafir. Va lui dire comme ça. Je ne dis pas d'aller le faire, mais je dis pour les gens qui parlent comme lui. Si vraiment tu dis qu'il te respecte, va lui dire des choses noir sur blanc. va avoir le respect qu'il aura pour toi derrière. Parce que tu vois que le café, il t'aime. Il, 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 il t'aime bien parce que tu ne lui as pas dit encore la vérité. Donc tu n'as pas crevé crever comme on dit. Crève l'abcès, tu verras à qui t'a affaire. Trois que les Sarabas, ils n'avaient pas un meilleur comportement que toi avec les Koufans. Pourquoi ils ont torturé les Sarabas parce qu'ils ont dit la vérité au Koualachi Ils disaient là et là a là. Pourquoi Koualachi revenait dire là et là a Parce qu'ils connaissaient le sens. Bon, Aujourd'hui, on va dire au café, c'est-à-dire qu'on il est là, et si tu dis pas là, là, il est là, tu vas pas dessus, tu vas l'enfer en éternellement. Tu vois, c'est que ça peut être qu'Al-Firouz est va être toujours copain avec toi, d'ailleurs au cinéma. il va te délaisser, il va dire laisse-moi tranquille toi. la abudu ila Ça c'est un désaveu. C'est pas genre je fais ta vie moi la même, mais voilà non non. Le verset veut dire c'est un désaveu, tu n'es pas avec lui. Et il a dit quoi de Nabî Sallâm par rapport à, euh, aux croyants? Il a dit anabari nukulim min. Je suis innocent de tout croyant qui vit au milieu des koufars, que leur feu ne doivent pas se voir. Tu sais quoi un feu Dans la nuit, tu le vois jusqu'où un feu Très loin. Tu ne dois même pas voir son feu, c'est-à-dire tu dois être loin de lui. Toi, tu dis, tu peux, aller, tu peux le fréquenter Subhanallah. Si ce n'est pas des hawa, j'ai c'est quoi ça Mais en fait, ces gens-là, quand ils veulent réfuter, ce n'est pas réfuter la, la, la masala de. En fait, parce parce qu'ils réfutent notre main qu'on est des madakhs là, en fait. Donc, ils le moins de trucs pour pouvoir parler sur nous comme ça, quitte à dire des anneries comme celle-ci. Des dingueries comme celle-ci, tu peux avoir un ami qui a à faire. On ne l'a peut-être pas dit le mot ami en soi, mais son calème l'amène à ça. Tu vois Si tu as une pour le dîn, pour le nabi, alayhi wa sallam, pour le sahaba, tu ne peux pas y un Mais non, ça ne veut pas dire tu vas l'aider. Il l'a toujours dit. Tu lui rends son droit, ils ont des droits. Tu peux être courtois avec lui, poli avec lui, respecter dans un respect qui est légiféré, tant que ça. D'accord, pas de problème. Mais tu ne fréquentes pas. Et si tu fréquentes, c'est pour un besoin. C'est pas pour sa personne, par amitié. C'est pour le travail, c'est un collègue, c'est ton voisin, tu passes bonjour, tu l'aides à faire un truc. Voilà, c'est tout. Et tu lui souhaites sa guider. Sans quoi, tu n'as pas d'amour pour lui. Maintenant, ne, ne pas avoir d'amour pour lui, ne veut pas dire, allez, le torturer, lui faire du mal. Ça, on le blâme toujours. attentat, tout ça, on est contre à 100%. Et comme je dis souvent, notre haine envers eux, ce n'est pas leur haine eux, envers nous. nous. Notre haine, c'est si qu'on ne t'aime pas. N'en touche pas. Eux, leur elles on ne nous aime pas et on nous fait v'là le mal. On est discriminé à tout va. Bah, je ne suis pas femme à victime. Hein. Franchement, j'en ai rien à faire. La discrimination qu'on a ici, elle est normale. On ne sera pas mieux traité que les Sahaba à l'époque de, de Corée. Hein. Les gens disent on veut ça. Ouais. Ça, Je vais faire notre cas des malades par rapport à ça. À notre moment, Inch'Allah. C'est un discours de victime. Il y a qui, dans le Coran, les Sahaba, comme qu'est-ce qu'ils ont vécu Toi, tu es un petit prince à côté d'eux. Tu là là. Voilà, La France islamophobe, ils nous aiment pas. On n'a pas le droit. Mais il faut arrêter. là. Il faut se réveiller. Tu vois dans le Coran, il te dit qu'il t'aime pas, tu t'attends quoi de plus Que le Coran, il change pour toi Tu penses que tu auras un privilège qu'ils n'ont pas eu avant toi Et hey, je dis, on est dans une rof là, c'est incroyable. Tu vois On vit... C'est un thème, j'ai appris ici souvent, ils disent c'est lunaire. L'expression c'est lunaire, tu vois. Voilà, c'est lunaire, voilà comme ils disent. C'est incroyable, voilà, le jahel. Et quand tu ramènes ce discours-là, eh ben, tu vas ramener peut-être peu de personnes, mais qu'ils auront bien compris Inch'Allah Ta'ala, mais tu vas faire faire beaucoup. On le dit, l'islam c'est une religion, elle a des fava'il, fil akhlaq. Elle a des vertus. De plus en faire là-dessus. Hein. Des akhlaq. Mais ce ne sont pas des piliers dans la religion. Ces akhlaq ils sont là pourquoi Pour attirer, pour t'emmener vers le cœur de la chose. D'accord En islam, on ne ment pas. En islam, on ne vole pas. En islam, on ne, tra on ne trahit pas. Il y a plein de vertus qui font de la religion. Les gens ils ont dit oui, j'ai penser musulmans pour, pour ces vertus là Je suis ces vertus-là, tu vas les trouver chez les koufars. Tu vas trouver des, des, des koufars plus honnêtes que des musulmines. D'ailleurs, ben, les musulmines le disent, hein, en France on est mieux traité que bled. Tu, tu vas trouver des koufars plus véridiques que des musulmines. Tu vas trouver des kuffars euh, moins grossiers que des musulmines. Tu vas trouver des femmes kafirates plus pudiques que des muslimates. C'est pas toutes, mais tu vas en trouver. Ça veut dire qu'ils ont raison. Tu vas trouver des philosophes avoir des frères de sagesse immenses. Des vérités qui vont dire, eh, c'est trop fort ce qu'il a dit, là. Tu vois. Tu entends des fois, j'ai des sons de koufa, des politiques qui disent ce qu'il dit, c'est trop fort. C'est Mais à la ça, il va dire une dinguerie qui va tout effacer ce qu'il a dit auparavant. Tu vois. Il va dire des vérités, des fois, un café dans un débat pour avoir raison sur un musulman. Là, j'ai eu des débats avec des gens comme, euh, euh, Zemmour, il va faire taire des musulmines, hein, avec leur religion. Du coup, les Sahabas qui vont voter, là Zemmour, on va tout vous faire taire. Tu te même les Jeux Olympiques, il va tout vous faire taire. Tu vois Il aura raison. On ne va pas le défendre parce que c'est Zemmour, on n'aime pas cet homme-là, tu vois. on va dire, il a dit la, la réalité. Comme le Nabi Sans-Salem, parce que Yahoudi, il a dit, il n'a pas touché les lorsque les Sahabas jurés par la Kaaba, c'est un juif qui leur a fait le, le blâme. Il a dit quoi de Nabi Sans-Salem Il a dit, il a dit, il a dit vrai. Et bien, si demain Zemmour dit la haq, il dit oui, il a dit vrai. Si Mike Le Pen, a dit oui", la si, haq, euh, euh, il dit oui, il a dit vrai. Si Trump, dit il a dit vrai. Je suis pas un traître, je dis tiens c'est la vérité, il a dit vrai. Je l'aime pas comme il a dit Nabih Salam, Salakakawakazub. Wa T'as dit la vérité mais c'est un gros menteur. Quand le hak il l'a dit faut dire oui c'est vrai. Et demain un musulman ça peut être euh, même le plus grand des machers que j'ai il va dire une fausseté je vais dire non n'est pas vrai ce qu'il a dit. Il faut être adl. Donc le charme de cela c'est que aujourd'hui d'accord tu vas trouver justement des vertus d'islam chez des gens qui sont pas musulmans. Plein. Donc si jamais toi tu t'accroches à ces vertus là Qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas rester avec eux. Et pourquoi tu traînes avec un tel? Parce qu'un tel, il ment pas, alors que l'autre, il n'arrête pas de mentir. L'autre, il fait du shirk, il fait non. L'autre, il est dedans de matin au soir. Donc, tu n'as pas compris le shirk et le tawhid. Tu n'as pas compris c'est quoi la lance et le désaveu. Donc, à la base, l'islam t'attire. C'est-à-dire, quand quelqu'un, tu l'appelles au tawhid de base, tu lui fais tout comprendre. Inch'Allah, ta'ala va tout comprendre. C'est comme. Euh, ce qu'il y avait auparavant, euh, ces gens-là comme Ahmed Didat ou Zakir Naik ou tous ces prédicateurs qui appellent les gens du livre en, montant, en montrant les faussetés de leur livre. Ils vont débattre avec les chrétiens pour montrer les faussetés de leur livre. D'accord Ils ont du rhymme là-dedans. Quand on est islam, le imme, il, est, il est faible. En tout il est faible. Ces gens-là. On va dire, "Taïeb, demain, tu vas appeler un chrétien, tu vas le débattre avec son livre, montrer les contradictions de ton livre. C'est bien. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il va dire que le Coran, il est vrai Non. Il va juste dire Ouais, c'est vrai, il y a plein de mensonges dans mon livre. Vous peut-être entendre aussi il y a des mensonges, alors. Et il va douter de tout. Tu vois Donc, tu vas lui prouver que sa religion est fausse, mais ça veut pas dire que pour lui, ta religion sera vraie. Ce n'est pas garanti. Peut-être qu'il va y croire, peut tu ne vas pas y croire. Mais si tu met de me taper le Tawhid, il va tout comprendre. Que son livre, il est faux aujourd'hui. Que les Yaouls, qui qu'ils font, c'est faux. Les bouddhistes, c'est faux. Et l'islam, c'est le vrai. Et même demain, il va avoir un musulman qui va lui faire le. Pour une trahison, on va dire, c'est lui qui a fait ça, n'est pas l'islam. demain, quand les gens sont accrochés aux, aux vertus ou aux charlots, seulement, eh ben dès que les musulmans vont faire du mal, ouais, ils vont douter de ce c'est quoi cette religion. Vas-y, pensez que j'ai trouvé la fraternité, j'ai trouvé l'entraide, j'ai trouvé t'es pas, t'es pas un islam pour les gens, tu t'es entré pour Allah, zaydil. Si tu rentres pour les gens, tu vas aller nulle part, hein, tu, tu vas être déçu, c'est sûr et certain. Tu vas être déçu, des gens. Là où aujourd'hui, dans son, on va dire la main de, 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 de la ils sont dans un égarement, dans l'ignorance. Tu vas être déçu. Si demain tu fais gira pour les musulmans, tu veux rentrer en France direct. Tu pars pour Allah et son messager. Et pour faire comme on fait le Sahaba, attends pas des gens. Si tu attends des gens, tu vas aller nulle part, tu vas rien faire. Même demain tu attends des gens, tu vas même pas au Mosi faire salade en Jamara. L'imam il va te saouler, l'autre à côté de toi il va s'écarter, l'autre il passe pas le salam, l'autre il fait une salam, je ah, joue même pas à la mosquée tu vas dire. Les gens pourquoi ouais, il passe pas le salam, l'autre je crois, le bon pied, il sauve, l'imam il va trop vite, ainsi de suite, mais tu vas pas pour eux. C'est pas pour eux que tu vas. Donc, nous, on ne s'arrête pas ces choses-là. Tu vois Ces choses-là, à la base, on doit les faire. Mais ne pas les faire ne te sort pas de l'islam. Par contre, le shirk te sort de l'islam. Et là, là, ce, ce, ce Bertrand que tu préfères à Mohamed, Mohamed, c'est un voleur. Qu'elle a le guide. Mohamed, c'est un menteur. Qu'elle a le guide. Mohamed, euh, il est parti voir les Jeux Olympiques. Qu'elle a le guide encore plus. Mais Bertrand, là, il dit qu'il n'y a pas de Dieu, ça se trouve. Tu lui dis c'est qui Mohamed Il dit Ah Mahomet c'est un homme intelligent. C un, un, il va dire Mahomet c'est un homme intelligent. C'est Allah qui l'a envoyé Non, je crois pas. Et Ainsi de suite. Quand ça ne va pas, tu qui Ouais, j'espère de mes ancêtres, ou ouais, je croise les doigts, ou ouais, je mets un à cheval au-dessus de ma maison. Ouais, euh, voilà, sortir des choses, voilà. Et toi, normal, tu marches avec lui, normal. Quand Mohamed il a volé, tu pètes un plomb. Quand Bertrand il te dit je croise les doigts, normal, ton cœur il ne vivra pas. Et bah tu dis toi, toi qui n'as pas compris. C'est toi qui n'as pas compris à ce moment-là. Et bien ça, c'est ça qu'il faut appeler les muslimines. Et quand les muslimines seront unis là-dessus, sur le Tawhid, vous allez voir que l'islam va se répandre à une vitesse, mais un vrai islam. Pas au saï, comme l'a dit Namibisar Salem, qu'on sera comme l'écume d'un torrent. Nombreux mais inutiles. Nombreux mais inutiles. Comme aujourd'hui on l'est. Tu vois Comme aujourd'hui on l'est. Nombreux mais inutiles. On ne fait rien. Il y a certains individus comme ça qui font du khair, mais la moins dans son ensemble, le, 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 la mascala que l'on est, normalement si on faisait les choses, le monde il est à nous. Biznatara Non, ce pas notre but. Notre but c'est adorer à la Zajel, à à Que le monde soit nous ou pas, ça va rien changer. Ça sera juste notre épreuve dans cette dunia Donc le shahid, c'est qu'on ouvre les yeux par rapport au tawhid, qu'on l'apprenne sous ses formes. Ne passez si se limiter que le tawhid, le shirk c'est juste adorer une pierre. Le tawhid c'est des branches qui sont très larges, très vastes. Et quand on a compris le Touhid, il y a des choses elles sont évidentes automatiquement. Qui éviteraient ce qu'on dit ce genre de paroles comme on a dit, dit aujourd'hui. C'est des choses qui sont assimilées. Et après, on peut attaquer d'autres domaines. Pourquoi Parce que le socle, il est là. Il est solide. Et bien, si tu fais une maison, tu n'as pas de fondation. Demain, tu pourras faire des belles fenêtres, une belle toiture, mettre la kine, ta maison, le moins de coup de vent, s'effondrer. Tu auras un beau décor, c'est bien ergonomique, tu auras tout bien structuré et tout. Mais les fondations ne sont pas là. Le moindre problème, ta maison, elle est aplatie. C'est un château de cartes en fait. Elle est belle, mais elle n'est pas solide. Donc elle ne sert à rien, en fait. Tu vois Elle ne sert à rien. Dans la reliure, c'est pareil. Il faut que tu mettes des fondations. Et une fois que tu as mis les fondations, là tu commences à décorer et à regarder le reste. Mais aujourd'hui, on rentre dans une maison, il y a une salle peinture, il n'y a pas de papier peint, il n'y a pas de canapé, il y j'aime pas cette maison. Ouais, mais elle est solide. Et l'autre là-bas, là, c'est une cabane. À l'intérieur, c'est propre, mais c'est une cabane. Les gens vont la cabane. Pourquoi Parce qu'à l'intérieur, il y a l'écran grand plasma plat. Il y a le canapé en cuir, il y a la cuisine américaine, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est une cabane. Tu vois, c'est une cabane. Alors on dit non, nous on veut une maison avec des fondations. Quand on aura des fondations, vous allez voir que l'arrivée va nous donner le monde. Après, ce n'est pas une chose que nous, on demande maintenant. Et ce n'est pas le but de l'islam. ce sera juste une conséquence, un résultat. Quoi qu'il en soit, si on n'a même pas le monde à nous, car là n'a pas besoin qu'on change le monde, c'est qu'on se change nous-mêmes, qu'on se réforme nous-mêmes, et dans la tombe, on sera tout seul, les frères. Voilà, qui est ton seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète, tu seras tout seul à ce moment-là, interrogé. Tout seul. Et bien ça, c'est dès maintenant qu'il faut préparer. Dès maintenant qu'il faut le préparer. Non. bien d'accord,